Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouveauté de chez Peugeot. On en a entendu parler pas mal hein, ces derniers temps. Il y a eu plein de petits dessins, plein de petites choses qui ont un petit peu fuité. Et c'est la nouvelle Peugeot 408. 408, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Euh, 400. Donc voilà, dans une couleur bleue obsession. Est-ce que vous allez devenir obsédé par cette voiture c'est ce qu'on verra. Bon, comme d'habitude, je vous présente un petit peu la voiture en détail. Alors, il y a quelques petites choses qu'on connaît déjà euh, sur cette Peugeot, par exemple les motorisations. Mais je vous en reparle en détail. On fait le tour de la voiture. Il y a pas mal de nouvelles choses à l'avant, sur les côtés, et surtout un look bien, bien différent. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, ça change. Petite similitude un petit peu avec la C5 X. De par son châssis, mais quand même pas mal de choses à l'extérieur qui changent et qui sont totalement différentes. J'espère qu'au niveau du comportement, ce sera plus typé Peugeot parce que la Citroën était vraiment très confortable, c'était un petit peu bateau, mais là, normalement, ça devrait être un plaisir de conduire quelque chose d'assez différent. Alors, on va commencer, si vous voulez, par les motorisations. On aura le choix entre trois moteurs en France un it 6 hybride 180 chevaux ou le 1-litre 6 hybride 225 chevaux. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà sur la 308, par exemple. On aura également le PureTech 1-litre 2 130 chevaux en essence. Pour le moment, ce sera les trois premières motorisations qu'on aura disponibles. Ensuite, il va venir, alors on ne sait pas quand encore, peut-être 2023, peut-être 2024, une version 100% électrique. Ça évolue de plus en plus, et c'est vrai que ce genre de voiture, il y en a très peu en électrique encore. Donc, petit à petit, ça va se développer. Jatte parce que je pense qu'il va quand même y avoir une demande dans les prochaines années. Au niveau des versions hybrides, on aura des batteries de 12,4 kWh, c'est ce qu'on connaît également. On ira des chargeurs, donc la petite trappe de ce côté-là, on pourra recharger en 3,7 kilowatts ou en 7,4. Ensuite, c'est la même architecture à un moteur que ce qu'on retrouvera sur une 308 par exemple. Elle existera en deux versions, celle-ci pour la France et l'Europe, et la Chine aura une version 408X un petit peu différente, mais qui ressemblera quand même beaucoup à celle-là. Au niveau des dimensions de la voiture, 4,69 m, et oui, c'est une très longue voiture, on ne dirait pas comme ça, mais c'est allongé, en fait c'est vraiment entre la berline et euh, le SUV. Donc elle est un petit peu plus haute sur la partie basse, elle est bien abaissée sur la partie haute, 4,69 m, 1,86 m de large sans les rétroviseurs et 1,48 m de haut avec la petite antenne requin juste là-haut. Au niveau de la garde au sol, ça se veut quand même un petit peu crossover. Hein On a 19 cm de garde au sol, ce qui permet normalement de passer quasiment partout. Au niveau du poids de la voiture, entre 1400 kg pour une version essence simple de base avec le 1,2 litre et 1700 kg pour les versions hybrides. Si c'est aussi bien équilibré que la 308, la 308, j'avais trouvé ça très léger, même en version hybride. On retrouvera vraiment la présentation officielle début 2023, donc ça devrait arriver début 2023, mi-2023 sur nos routes. Au niveau du gabarit, elle se situe vraiment entre la 308 et le 3008, parce que la 308, en gros, on la raccourcit un petit peu, ça ressemble un petit peu à une 308. Après, si on regarde le bas, ça ressemble un petit peu à une 3008, mais niveau longueur, etc., ça se situe vraiment entre les deux. Si vous ne savez pas si vous voulez plutôt une berline, plutôt un SUV, le choix choix là et je vous avoue que je choisirais bien ça. Là sur la face avant, on pensait que ça allait ressembler un petit peu plus aux autres mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Hein. Bon, on retrouve toujours ces crocs ici qu'on retrouvera maintenant hein, quasiment sur toutes les Peugeot. On a en option des feux Matrix LED. Donc toujours avec ces parties en LED ici avec ces deux optiques ici plus cette partie avec les crocs. On a toujours ces parties plastiques qui viennent s'agrandir encore un petit peu qu'on avait retrouvé sur le restylage de la 3008. On avait un petit peu ce côté, mais là vraiment ils viennent s'agrandir avec pareil le petit rappel noir qui va faire le tour jusqu'au bout. Pareil comme on retrouve un petit peu à l'arrière. Je vous montre ça juste ensuite. Des capteurs ici, ici, donc des, des capteurs de stationnement. On a la caméra ici à l'avant. On a des caméras également dans les rétros pour avoir les caméras 360. Alors ce qui est bien, c'est que sur ces nouvelles voitures, ces nouvelles Peugeot, on a des caméras HD. C'est très joli. Le logo 408 ici, donc avec les chiffres marqués comme à l'époque sur les voitures. Un capot assez simple, toujours avec ses euh, deux plis euh, sur les côtés. Franchement, et là vous, vous pouvez le voir en plus, enfin selon la couleur, selon la lumière, la couleur est juste. Waouh, je, je suis amoureux de cette couleur. Les nouvelles couleurs comme le bleu avatar ou le vert olive, enfin vraiment, il s'agit de faire comme le jaune sur la 208, le rouge élixir. Franchement, les couleurs euh, de nos jours, ça pète. S'il vous plaît, achetez des voitures de couleur elle existera en six teintes différentes, on aura le choix. Donc ce blue obsession, on aura deux gris différents, un rouge, le blanc et le noir. S'il vous plaît, choisissez la couleur genre ça. C'est juste sublime. On retrouvera le gros logo Peugeot ici qui intègre les capteurs d'aide à la conduite ici avec les caméras, on aura bien sûr la conduite de niveau 2, on aura le start and stop avec euh, la fonction stop and go euh, dans les bouchons, donc régulateur adaptatif. Caméra ici, comme je vous disais. Ici, on a le Night Vision. Night Vision, c'est la vision infrarouge de nuit. J'avais fait une vidéo spécialement dédiée sur la chaîne. Vous êtes déjà un petit peu plus de 120 000 personnes, il me semble, à l'avoir regardé. Ça vous montre vraiment tout ce que ça peut faire. Et ça, c'est bien utile à la campagne. Ça détecte les humains et les animaux. Donc, ça, c'est une petite aide supplémentaire qui est bien sympa. Ensuite, donc, cette nouvelle Calandre ici avec vraiment les traits qui viennent sur le côté. On a pareil un, beaucoup de motifs de relief 3D. En fait, ça a été énormément dessiné. Là, on le voit, cet endroit-là, on les plie là, là, là. Enfin, un peu partout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Un petit peu plus bas, on retrouvera la plaque ici et une lame en plastique sur toute cette partie. Le plastique, c'est pas plus mal, mais vraiment les couleurs, enfin, les touches entre le noir et la couleur a, a vraiment bien. et été préparé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'adore sous le capot ici. Donc, comme je vous disais, on aura le choix entre trois moteurs. Ah, si j'ouvre, je pense que je suis le premier à faire ça. Il y a aucun journaliste qui l'a fait. On a un capot très très léger. Ça, ça change de beaucoup de voitures et ça fait vraiment la différence. Donc là, ici, on a le PureTech à l'intérieur en version hybride. Bon, ici sur le côté, c'est là qu'on a une vraie vraie révolution. Vous avez vu C'est atypique. Bon, il y a eu la C5X qui est sortie un petit peu euh, dans le style mais qui faisait moins, moins, c'est vrai que ça, ça, ça c'est un look hein, un petit peu plus vieillot là, on a quelque chose qui moi va me plaire un petit peu plus, ça, ça rajeunit un petit peu tout ça. Toujours ce bleu pareil, on peut le voir, les contrastes, on voit qu'il y a énormément de plis de carrosserie on en a là, là on a des lignes ici, alors cette ligne, regardez, celle-là elle se retrouve ici également, et tout comme cette arrière, qui est bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec cette arrière plongeant comme ça, comme si on avait une caisse de course avec un gros diffuseur. Je vous montre ça juste après à l'arrière. On a des arches de roue ici, plastique, toujours ce côté un petit peu SUV crossover. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pensé à faire des petits détails, des petits arrondis qui reviennent dans la carrosserie jusqu'aux arches. On a vraiment quelque chose d'assez différent, et ça a été bien travaillé. Enfin, vraiment, même là, ces petits détails à cet endroit-là. On a des lignes ici, on a des arrondis là, les rétroviseurs ça on les connaît. Le logo Peugeot ici, donc ça pareil ça amène un petit côté un petit peu plus premium à la voiture d'avoir mis euh, sur les ailes ou sur les côtés euh, des Peugeot, des poignées type frigo des de côtés, à l'avant et à l'arrière avec toujours le keyless on peut verrouiller ici. Cette partie ici plastique sur la partie basse, donc ça c'est toujours pour donner ces airs un petit peu plus euh, crossover. On a des grandes jambes de 20 pouces ici alors. N'hésitez pas à me donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de ces jantes de 20 pouces Moi j'aime beaucoup la façon à laquelle ils ont intégré le logo au milieu. Est-ce qu'un jour ils nous feront comme sur le concept de la 504 avec les logos qui tournent Ça j'adorerais Logo ici, frein à disque avant-arrière. Pour le moment on a des jantes en 20 pouces, on aura aussi le choix en 19 pouces. C'est les seuls que j'ai vu pour le moment, mais je pense qu'il y aura peut-être 17 et 18 pouces de disponibles. Pas de biton, donc le toit ici de la même couleur. On n'a pas encore aujourd'hui de version, mais il y aura un toit panoramique et ouvrant. C'est ce qui amènera un petit peu de l'humidité parce qu'on a un intérieur très sombre, mais je vais vous montrer ça juste après, ça mènera de l'humidité. De ce côté-là, ici, comme je vous disais, la trappe pour pouvoir recharger en 3,3. 4, non, en 3,7 ou en 7,4. De l'autre côté, on mettra de l'essence de choix dans l'équipe de réservoir. Selon si vous avez une version hybride, comme celle-ci, ce sera 40 litres d'essence. De l'autre côté, on pourra mettre 52 litres d'essence si c'est une version 100% essence. Bon, vous avez vu ça, j'ai réussi à faire privatiser tout ça, hein, juste pour vous. à l'arrière, alors, très, très cool cette forme vraiment de couper. Alors, moi, ça me rappelle un petit peu le Lamborghini Urus. Avec cette vitre très inclinée et là, ce petit béquet qu'on a sur l'arrière. Alors, c'est un petit peu la mode de le faire en divisé par deux. Alors, peut-être que ça joue sur l'aérodynamique, faudrait que je demande. Mais là, on a vraiment l'air qui va venir ici. Ce petit béquet qu'on retrouve sur la partie arrière du coffre. Pas d'essuie-glace parce que sinon, c'est vrai que ça ferait pas forcément très très joli. Mais j'aime beaucoup cette partie-là. Et c'est pareil, hein, sur l'arrière, on peut voir ce côté très plongeant, assez agréable l'antenne type requin ici, on a les vitres euh, surteintées. Ensuite, toujours ce grand bandeau noir qui va traverser d'un feu à l'autre euh, sur l'arrière. Comme on a trouvé sur la 308, ces feux ici qui sont inclinés légèrement avec les trois griffes. Alors maintenant, c'est plus endroit, c'est comme ça. Comme sur la 308, donc toujours ce bandeau. Le nouveau logo peut jouer ici à l'arrière. Ce petit euh, sorte de queue de canard à l'arrière, très légèrement. Ça donne un petit côté sportif. Mais vraiment, si on regarde que la partie haute, elle est juste hallucinante vraiment il aurait fait en berline un petit peu plus basse j'aurais adoré toujours le logo 408 ici avec les nouvelles écritures ben maintenant qu'il plus si nouvelle que ça hybride de ce côté là parce que c'est écrit ici c'est une hybride et ici une partie arrière tout en plastique alors la texture est sympa elle accroche un petit peu ça change des plastiques alors je ne sais pas si c'est vraiment une version définitive ou si parce que c'était fait en 3d et autres mais euh, j'aime bien le, le fait qu'il y ait une texture dessus une caméra également ici avec un petit, euh, petit, petit de nettoyage des capteurs de recul et pareil. On voit qu'on a quelque chose d'assez sportif. Et comme je vous disais, en fait, avec cette coupe ici et ça qui revient assez loin, c'est assez sympa ici. Donc les feux de recul des catadiopres et les feux ici avec le clignotant. Est ce qu'il est défilant? Hein? Attention, pas de clignotant défilant. C'est juste ici sur le côté, au niveau du coffre. Hop, on a un ion motorisé sur cette version aujourd'hui. Dans le coffre, deux choix de coffre. On aura soit 536 litres sur la version essence, soit 471 litres sur ces versions hybrides. La plage arrière est accrochée ici au coffre. Il y a une petite partie mobile à cet endroit-là. Donc le coffre est quand même assez spacieux, 471 litres pour vous faire une idée. Regardez ce que ça représente. Moi, je rentre dedans sans trop de soucis. Ici, j'ai une prise 12 volts, de quoi accrocher des sacs lorsque je fais un mes courses. Et vraiment, regardez. J'ai de la place ici à l'intérieur. Je peux rabattre mes banquettes qui sont en deux tiers, un tiers. Le deux tiers du côté gauche, le un tiers du côté droit. On a les fixations top teaser et isofix à l'intérieur. Et est-ce que je rentre moi entièrement Si je dois aller faire du camping. Alors moi je fais 1m80. Eh bien sachez que ma tête ne touche même pas les sièges avant fait oh, du sport donc on a quand même pas mal de volume de chargement on aura jusqu'à 1611 litres à l'intérieur de ce coffre et au final même si on a la vitre qui penche un peu on a quand même une assez belle profondeur on a en dessous ici encore de quoi mettre des câbles de recharge l'anneau de remorquage et comme on a la sonorisation focale on a le caisson de basse qui est situé à cet endroit là pas de roue de secours malheureusement mais on peut pas tout avoir puisqu'on a également des batteries sous ce plancher. Sur la droite, on a un petit filet ranger deux trois petites choses et deux trois petits élastiques pour mettre les produits d'entretien ou autres par exemple. Bon, quand même pas mal d'espace ici. Alors, à l'arrière de cette nouvelle 408, on a une porte assez grande. Donc là, la banquette est rabattue comme je disais, fixation Top tether, iso ISOFIX sur les deux sièges d'extrémité, on a une trappe à ski à cet endroit-là, plancher quasiment plat, alors il remonte effectivement un petit peu. La ceinture est restée à la banquette. Si elle reste dessus, c'est cool. Mais il n'y a pas de petit rappel sur le côté. Alors pour entrer, je m'installe franchement facilement. L'ouverture est assez grande. Et regardez l'espace aux jambes. Donc là le siège à l'avant est réglé pour moi. J'ai énormément d'espace ici au niveau des genoux, même au niveau de la cave à pied, au niveau de la tête. Alors si je me mets vraiment droit, j'ai les cheveux qui vont les toucher. Il me reste encore un petit peu d'espace. Comme je vous disais, on pourra avoir en option une partie euh, toit panoramique. La portière. Alors du plastique sur l'eau, mais travailler avec pareil un petit peu tout. Une enceinte focale parce qu'on a l'option focale. Du plastique, en fait tout est un petit peu plastique, sauf les accouloirs ici qui sont une sorte de cuir. Avec toujours, euh, je crois que c'est le vert kryptonite hein, chez, euh, chez Peugeot. Et euh, des petites touches un peu de gris bleuté. Très sympathique. Ma petite plaide là-haut, une poignée. Des fenêtres qui sont assez grandes et assez longues, ça c'est bien, enfin dans cette grande berline. Enfin, on sait pas si c'est une berline SUV, c'est une nouvelle race qu'ils ont dit dans dans le communiqué, puisque c'est vrai qu'il bah, y en a pas vraiment des voitures de ce style-là. Moi dans les sièges, je suis plutôt bien. Ma position d'assise est correcte. J'ai des sièges Alcantara tissu cuir, très agréable, hein, comme on connaît chez Peugeot et franchement je suis bien ici hein? j'ai de l'espace on a un plancher quasiment plat alors dommage qu'il ne soit pas vraiment plat pour même les futurs à voiture 100% électrique peut-être que l'inversion électrique il y aura une petite modification à cet endroit là l'accoudoir il faut toujours mettre son doigt pourquoi vous penchez pas chez Peugeot à mettre une petite tirette une petite languette c'est quand même beaucoup plus pratique donc mon accoudoir ici ok pas mal bon les portes gobelets ressortent un petit peu au niveau de l'avant-bras la ski pour pouvoir accéder au coffre Hey, 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 je peux mettre beaucoup Hop, la troisième ceinture qui est ici, ça c'est vraiment bien qu'elle soit à cet endroit là euh, dans la voiture, la boucle ici qui est montée sur une sangle qui permet que ce soit pas trop gênant ici dans la voiture, pareil, troisième place alors, elle est quand même assez confortable je suis assez surpris, parce que souvent cette troisième place est un petit peu plus ferme le dossier est lui plus ferme, mais par contre l'assise et franchement, euh, bien j'ai de la place pour les pieds. Pareil, si je montais dans mon 44, ne passe pas ici, mais sinon, euh, c'est pareil là au niveau des genoux et autres. Vraiment euh, spacieux, je pense qu'on peut faire quand même un bon bout de chemin assis à cet endroit là. Les fixations isofix avec les petites, les petits zips comme toujours hein, pour pouvoir les cacher. Bon, on est pas mal à l'arrière. Hein. On a la climatisation avec deux réglages de ventilation donc sur la vitesse de l'air, deux ports USB-C ici, on a des ports USB-C encore à l'avant. Donc c'est bien, ils pensent vraiment à l'avenir avec l'USB-C. C'est parti là, plastique et deux filets à cet endroit-là et pour moi, la seule chose, c'est que c'est très sombre ici à l'intérieur. Donc, le toit panoramique ferait du bien ou un petit peu plus de clarté. Après, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que ce soit bien sombre, comme ça, être dans votre cocon, ou est-ce que vous préférez euh, la luminosité et que ce soit clair et que ce soit lumineux et que ce soit joyeux? J'aime bien euh, quand c'est clair. Allez, je vous emmène avec moi à l'avant découvrir l'intérieur de ce véhicule. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Regardez, eh, la chance, il y en a deux. Une, deux. Je choisis celle-là parce qu'elle était allumée. La portière, alors sur l'avant, ici, ça c'est du moussé. Cette partie jolie, donc avec plein de petits motifs. Partie moussée également, là. Partie cuir. Le réglage des fenêtres, verrouillage du véhicule, réglage des rétroviseurs à cet endroit-là. Partie plastique sur le bas avec un haut-parleur. Des petites mousses au fond. Le rappel Peugeot ici, sur la de porte. Les sièges, donc ceux-là, on les connaît déjà. Ça ressemble même un petit peu à, à ce qu'il y a dans les voitures un peu plus sportives ou les 508. Donc de cette façon, avec la putette ici en Alcantara, là aussi. Ça, c'est des sièges que j'aime beaucoup parce qu'ils sont confortables et ils ont un bon maintien. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec une 508 où il y avait les mêmes et c'était très agréable. Allez, on s'installe à l'intérieur. Donc ceux-là sont électriques ici. Donc je vais me reculer pour vous montrer le maximum possible. On reconnaît chez Peugeot le high cockpit ici en haut. Je vais me baisser au maximum pour avoir plus et en regarder enfin je vais même me mettre au maximum à fond et là, mes pieds ne touche même plus les pédales on peut être assez grand pour conduire cette voiture donc voilà le point de vue conducteur qu'on a donc, toujours on regarde par dessus le volant chez Peugeot ici avec ce high cockpit l'écran ici avec les high toggle que vous connaissez maintenant j'espère que vous avez regardé les vidéos de la 308 donc avec ces nouveautés allez je vous présente tout le petit volant comme d'habitude on connaît sur la gauche, on va voir le régulateur et limiteur de vitesse avec la conduite de niveau 2. Donc, on l'a là, on l'a plus ici. On règle la, vie, euh, la distance ici et la vitesse plus, moins, en appuyant. OK, ici, limite, on l'active, on le désactive à cet endroit-là. Sur la gauche, ça va être les médias, décroche au téléphone, commande vocale, le volume ici et faire défiler les infos qu'on va voir là-bas. Donc, ça, là, par exemple, on change de radio juste ici. On a des palettes derrière le volant ici. Et ici, on va voir que des boîtes EAT8 hein, sur tous les modèles, pas de boîte manuelle. Ici, sur le côté gauche, on va voir de quoi ouvrir le coffre à distance, programmer la climatisation puisque c'est une hybride rechargeable, ouvrir la trappe essence et ça, un petit endroit pour mettre, je, je, je sais jamais, le petit jeton pour le caddie. Le pédalier ressemble à ça sur cette version avec pédalier aluminium, deux pédales, le frein et l'accélérateur. Ce que j'aime beaucoup, regardez, ils ont pensé à cette partie-là, à mettre une partie un petit peu cuir. Alors, ça c'est agréable au toucher parce que quand on fait beaucoup de route, moi je mets beaucoup mon genou à cet endroit-là. Et ça c'est top. Derrière, on a les essuie-glaces ici avec la petite touche info. Donc par exemple, le trip. Alors là ne, ne, ne tenez pas compte hein, des consommations ou autres. Et on a un bouton de l'autre côté également pour pouvoir changer les écrans. Donc là par exemple, on a le GPS ici. On a bien sûr la version 3D aujourd'hui. Là on peut voir que la batterie est pleine ici. On toujours toutes les infos. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est plus rapide qu'avant. Vous avez vu l'animation Parce que ça, c'est un reproche qu'on a fait. C'est plus rapide, c'est plus dynamique. Et je trouve ça assez sympa. Donc on a toujours tous ces écrans-là. Ça, vous savez comment ça fonctionne. Le petit secret, je vous le donne le secret de la 3D. En fait, c'est un écran qui est là-haut, qui réfléchit sur une vitre comme un prompteur ici. Regardez. En fait, si vous voyez, par exemple, là, le 0 et le P flottent. J'adore, franchement. Ça, hyper fun. Bravo Peugeot d'avoir inventé ça centre focale ici, ce petit tour ici, comme on peut voir chez Peugeot, ils aiment bien donc qu'on regarde. En dessous, en fait, on a une partie pour le regard, une partie pour les mains, une partie pour le corps. En fait, toute la, la plage visible est très jolie, c'est aménagé avec vraiment cette partie qui s'ouvre ici qui se referme là gentiment. Les aérateurs intégrés ici et là-bas, lui de notre côté, c'est le seul qui est de cette façon, parce que sinon vous avez vu, c'est bien différent. Ensuite, le volant, bien sûr, réglable en profondeur et en hauteur. Les aérateurs, son sonofocale là-bas, l'écran ici, donc, qu'on connaît maintenant, donc, avec les touches, les high toggle ici, qu'on peut personnaliser, je peux mettre les réglages, alors là, la voiture est en anglais, euh, les settings ici, le profil, on peut toujours avoir nos drive profil le système, la luminosité, on aura plein de choses ici à l'intérieur. Ça, c'est quand même assez agréable. On peut revenir ici, on a la clim là-haut avec des raccourcis ici, pareil, normalement, il me semble on peut avoir quelques petits raccourcis de cette façon. Ok, donc c'est cela. Euh, L'heure, toutes les infos euh, qu'on aura ici, la climatisation, on pourra régler ici de chaque côté. On a bien sûr l'Android Auto, l'Apple CarPlay, le Mirror Screen en Wi-Fi. Plus bas, ça va être les touches de commande de clim. Là, c'est un raccourci pour aller au réglage de la voiture. Les réglages ici, le dégivrage, désembuage, recyclage d'air et éteindre la clim. Les warnings. De cette façon, le volume ici éteindre de la radio, le chargeur par induction un petit peu plus bas ici, donc qui va être éclairé. De quoi démarrer la voiture, donc on peut pas le faire aujourd'hui hein, parce que, bien sûr, modèle de présérie, on est dans un studio. Ça, on connaît maintenant parking, on tire vers nous, drive, on pousse vers là-bas, reculer et le B pour le mode de régénération. Ensuite, ici, la prise 12 volts port usb-c et encore de quoi mettre hein, pas mal de choses regardez c'est assez profond double porte gobelet à cet endroit-ci qui se referme le frein de stationnement ici vous avez de quoi mettre votre téléphone regardez à quel point c'est pratique ça parce que hop on peut le mettre juste ici il est beau hein? très bel oeil c'est moi qui fais la photo ici encore un port usb-c à cet endroit-là alors dommage qu'on n'ait pas le petit fil qui part d'ici et qui reviennent Ici, comme on, on a pu le découvrir sur certains modèles, la couloir comme on connaît, hein, toujours, donc qui s'ouvre en deux parties de cette façon. La boîte à gants qui se trouve là-bas. Donc, on peut voir, il y a cette place. Hein, elle est bien profonde, pas mal, et de quoi mettre des bouteilles. Normalement, une bouteille d'un litre et demi rentre ici. La porte ici ressemble à ça pour le passager, tout comme le conducteur. Une partie donc très foncée, comme je vous disais. En fait, on est vraiment dans une atmosphère très très foncée. On a une rétrovision plutôt correcte sur l'arrière, les séjours arrière ressemble à ça. Sur la partie haute, là-haut. Donc on retrouve toujours l'assistance, la touche SOS si vous avez un accident ou autre. Toujours en tactile pour les lumières. Alors hop, ça marche pas. Ah, si c'est bon. C'est moi qui ai mal appuyé. Et savoir qui attacher. Le rétro ici, borderless, très sympathique. Là-haut, on va avoir ici le pare-soleil avec les LED ici. Moi et là le monsieur, le patron de Peugeot, c'est lui. Et voilà à quoi ça ressemble donc cette atmosphère est vraiment très très sympa. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu que cette présentation vous a plu avec cette nouvelle 408. Merci à Peugeot de m'avoir invité là avec du journaliste, merci de m'avoir offert le temps de pouvoir vous faire ça proprement et dans les règles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette 408, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Est-ce que vous attendiez à ce style-là Est-ce que vous la pensiez plus haute, plus basse voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que les 400, à l'époque, c'était quand même plus bas. Mais là, ils ont quand même gardé, enfin vraiment, hein, si on la coupe sur cette partie-là et qu'on garde que ça, je la trouve extraordinaire. Ce serait bien, pourquoi pas Peugeot Petite euh, note comme ça, enfin, entre nous, hein, moi et Peugeot. Est-ce que vous pouvez nous faire la même en plus, hein, par exemple, je ne sais pas comment on l'appellerait, mais la même est un petit peu plus basse avec des lignes un peu comme ça, design. Alors c'est vrai qu'il y a la 508, mais je vous avoue que là j'aime bien vous mettre ces couleurs sur la 508 ou la 508 qui ressemble un petit peu à ça. Enfin, en plus, euh, enfin voilà, entre nous. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir et ça m'aide moi aussi à vous présenter ce genre de voiture et qu'on puisse. Pouvoir agrandir la communauté on est 50 000 sur la chaîne depuis quelques jours ça fait vraiment plaisir merci à vous tous et puis euh, bon hâte de l'essayer celle ci hein, parce qu'elle donne quand même envie allez à bientôt ciao